de la présentation. Et je prends ma décision délibérée. Période de questions, chef royal de Sa Majesté. Monsieur le Président, s'adresse à la Première ministre intérimaire. Il y a un grand nombre de lits d'hôpitaux qui ne satisfont pas aux normes. Les aînés ont besoin de sécurité et d'intégrité. Ces lits ne satisfont pas aux exigences. C'est la moitié des lits de la province qui ne satisfont pas aux normes en matière de santé. C'est le gouvernement qui a coupé 50 millions au budget de la santé. Le gouvernement continue à éroder l'état fragile de la santé en Ontario. Pourquoi le gouvernement se préoccupe si peu des personnes les plus vulnérables et les plus frêles? Pourquoi les aînés vivent dans des conditions alors que les conditions sont inacceptables, même du point de vue du gouvernement? La vice-première ministre, merci, Monsieur le Président. J'aimerais préciser, avant de parler et avant de céder la parole à la ministre associée des soins de longue durée et de la santé, je veux qu'il soit clair que le budget des soins de santé n'a pas fait l'objet de compression. Et l'idée que le budget a fait l'objet de compression, c'est une idée tout à fait erronée. À l'ordre. Veuillez terminer. Le budget continue d'augmenter, contrairement au paiement de transfert du gouvernement fédéral pour les soins de santé que le député d'en face avait applaudi. Complémentaire à la vice-première ministre, les aînés de la province seront de 4,5 millions d'ici 2041. Mais la réponse du gouvernement, c'est de couper 15 millions de dollars des services de physiothérapie. Nous avons vu les soins à domicile coupés. Nous avons vu les postes d'infirmières éliminés. Les ailes et des hôpitaux ont été fermés. Il y a 800 000 Ontariens sans médecin de famille. Et le gouvernement fait des compressions en éliminant 15 postes. Quand est-ce que les aînés auront les soins de santé nécessaires? Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, c'est une affirmation erronée. Comme l'a dit la vice-première ministre, le budget de soins de santé de cette province a vu des majorations et il va continuer d'augmenter. Au sein du budget, nous prenons des décisions importantes afin d'améliorer la qualité de soins pour les patients à l'échelle de la province. Nous avons fait un investissement important pour reconnaître le rôle important de nos préposés au soutien de la personne. Il y a presque 100 millions de dollars de fonds additionnels qui vont améliorer leur qualité de vie et nous reconnaissons leur rôle important. Les changements que nous avons effectués quant à la physiothérapie a entraîné plus que 200 000 aînés de plus qui ont ces services. Nous continuons de faire ces améliorations et il part complémentaire final. Monsieur le Président, à la vice-première ministre, en automne, l'hôpital mémorial d'Aurelia, cet automne, l'hôpital mémorial d'Aurelia va fermer l'un des théâtres de chirurgie. L'hôpital aura 7 lits de moins. Malheureusement, ils vont devoir fermer l'unité de jour gériatrique. Et c'est parce que le gouvernement ne veut pas leur donner 5 millions de dollars pour que cette salle de chirurgie soit ouverte. Je ne demande pas tout simplement des propos du gouvernement. Je pose une question directe. Est-ce que le gouvernement va respecter la nécessité de faire cet investissement de 5 millions de dollars à l'hôpital mémorial d'Aurelia? Veuillez vous asseoir. Merci, Monsieur le Président. Le député d'en face, le chef de l'opposition officielle, doit savoir que nous avons augmenté notre finance aux hôpitaux de 50 % à peu près 11 milliards de dollars il y a une décennie, et à
17 milliards de dollars aujourd'hui. C'est une majoration importante et cela entraîne une meilleure soin aux patients, y compris à Aurelia. Je sais que l'ancien chef a parlé des infirmières de la province, mais nous avons ajouté 24 000 postes d'infirmières, y compris plus que 10 000 infirmières accréditées. Donc, nous allons continuer d'améliorer notre système de soins de santé. Il y a eu des discussions entre les gens assis à côté du ministre et les autres. Donc, je vous demande d'écouter les questions et la réponse. Vous pouvez terminer. Le parti d'en face n'a pas même mesuré les temps d'attente pour les chirurgies. Nous les avons mesurés et ce que nous avions hérité, les temps d'attente les plus pires au Canada, mais maintenant nous avons le temps d'attente le plus court à l'échelle du pays. Veuillez vous asseoir. Député de Nepean Carlton à l'ordre. Nouvelle question, député de Leeds-Grenville. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Les Ontariens ont des préoccupations par rapport aux primes d'année aux hauts fonctionnaires des Jeux panaméricains, de donner jusqu'à 450 000 $ aux gens qui sont rémunérés au moins 250 000 $ donne au gouvernement une médaille d'or par rapport à leur ignorance, surtout lorsqu'on voit la compression en services hospitaliers, les gens qui ont du mal à trouver des soins à domicile et les familles qui ont du mal à joindre les deux bouts. Mais le ministre donne de l'argent aux gens qui ont déjà rémunéré énormément. Est-ce que le gouvernement va mettre fin à ces paiements? Ministre responsable des Jeux panaméricains et parapanaméricains. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais féliciter le député d'en face en tant que le porte-parole en matière de tourisme, de la culture et du sport. Tout d'abord, je vais vous dire que j'ai eu toute une excellente été. La meilleure façon de rencontrer un député conservateur, c'est d'arriver à un événement des Jeux panaméricains dans leur collectivité. Mais l'histoire est tout à fait différente ici. Dès le début, les conservateurs ont critiqué les Jeux. Ils ont dit qu'on ne pouvait pas vendre des billets, mais on en a vendu plus qu'un million. L'ancien porte-parole a dit que personne n'appuie ces Jeux, mais 1,4 million de personnes ont assisté aux célébrations à l'échelle de la province. Plus que 31 millions de Canadiens ont regardé les Jeux au télé. Député de Leeds-Grenville, complémentaire. Merci, Monsieur le Président, à la vice-première ministre. Je dois dire au ministre, ne parlez pas des athlètes en nous parlant de votre mauvaise gestion de ces Jeux. Le ministre et la première ministre ne racontent pas la vérité. Il dit qu'on était sous budget, mais la première ministre dit qu'on ne sait pas encore. Il y a une économie prétendument de 50 millions de dollars à cause d'un renflouement de 74 millions de dollars, donc c'est un déficit de 24 millions de dollars. C'est pour ça que ces primes ne sont pas méritées. Pour respecter un gouvernement transparent, est-ce qu'il appuyait ma demande d'utiliser la vérificatrice générale et de mettre fin à ces primes? Le ministre, premièrement, le montant de 56 millions de dollars dont nous avons signalé en tant qu'excédent. Député de Renfrew à l'ordre, et je vais commencer les avis bientôt. Je vais continuer. Donc, cet excédent en infrastructure a été signalé il y a des mois lors de nos séances techniques dont les conservateurs n'ont pas assisté. De surcroît, le député d'en face sait que la rémunération et les lois municipales par rapport aux Jeux
engagé trois paliers du gouvernement, mais le chef de l'opposition faisait partie de ce processus. Donc, je comprends pourquoi il croit que ce processus ne suffit pas maintenant. À la vice-première ministre, les enseignants élémentaires sont sans entente. Il y a 800 000 ontariens sans médecin de famille, mais vous faites des compressions. Les temps d'attente pour les soins de longue durée ont triplé depuis 2005 et le gouvernement a éliminé 54 millions de dollars du budget des soins de santé. Et la première ministre donne aux hauts fonctionnaires des Japan American davantage d'argent. Est-ce que le gouvernement ne croit pas que c'est une situation honteuse ou est-ce qu'il se trompe par rapport à ses priorités? Vous pouvez vous asseoir. Le ministre, merci, Monsieur le Président. J'aimerais parler de la structure de rémunération qui a été élaborée après les conseils d'une tiers de consultation et cet accès sur l'attirement du bon personnel afin veuillez continuer. Afin de pouvoir donner les jeux dont les Ontariens seraient fiers, c'était un grand budget de 2,5 milliards de dollars. Le gouvernement ontarien a contribué un montant important. Le gouvernement fédéral a contribué un important également. Le gouvernement municipal a voulu attirer les meilleurs gens à l'échelle du pays afin de fournir les meilleurs jeux possibles et nous l'avons fait. Nouvelle question, chef. La chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. La première ministre continue son plan pour vendre Hydro One. Elle ignore 83 % des Ontariennes qui veulent mettre fin à ce plan de privatisation et qui veulent demeurer propriétaires de nos services publics. Mais au lieu de les écouter, la première ministre effectue la plus grande privatisation de l'histoire de la province depuis Mike Harris. Comment est-ce que le gouvernement peut défendre ce plan de privatisation lorsqu'ils n'ont aucun appui public et aucune preuve qui appuie la vente d'Hydro One. La vice-première ministre, la chef du troisième parti, va se rappeler du fait que cela faisait partie de notre budget de 2014, cela faisait partie de notre plateforme électorale et ça faisait partie de leur plateforme électorale également. Ils ont utilisé nos prévisions fiscale pour élaborer leur plan d'étudier les actifs. C'est un travail responsable de la part du gouvernement. Nous avons besoin de l'infrastructure pour aujourd'hui et pour l'avenir. Cette infrastructure doit être payée. Nous avons étudié les façons de la payer, mais ne vous trompez pas, l'infrastructure est nécessaire. Donc, je pose la question à la chef du troisième parti, quel projet d'infrastructure est-ce qu'elle aimerait éliminer parce qu'il faut les construire ou il ne faut pas les construire? Député de Hamilton East Stoney Creek, à l'ordre complémentaire. Je peux garantir que le troisième parti, c'est le seul parti de l'Assemblée qui ne privatiserait jamais Hydro One. Pas aujourd'hui, pas demain, jamais. Mais ce parti et cette première ministre et ce gouvernement libéral sont déterminés de vendre Hydro One. Mais pour le faire, il faut cacher la vérité des Ontariens. Et c'est pour ça que la première ministre a enlevé la surveillance d'Hydro One. Elle a éliminer la surveillance des gardiens provinciaux qui protègent les intérêts des Ontariens. C'est pour ça qu'elle a refusé de permettre aux Ontariens de participer aux séances et ou d'avoir un référendum. Comment est-ce que le gouvernement peut défendre cette décision sans précédent? La vice-première ministre, je suis contente de rappeler à la chef du troisième parti que dans leur plateforme électorale, les néo-démocrates ont utilisé notre plan pour optimiser la valeur de nos actifs. Dans une entrevue avec Newstalk 1010, le chef du troisième parti a dit le 7 mai, « Il n'y a aucun doute, nous avons discuté
l'examen des actifs de la province. Lors de la campagne électorale, ils ont discuté la possibilité d'examiner les actifs, mais finalement, ils s'opposent à cette possibilité. Nous avons besoin de cette infrastructure, les Ontariens ont besoin de cette infrastructure. J'aimerais que vous arrêtiez de crier. Complémentaire final, j'ai demandé à la Première ministre à plusieurs reprises d'être honnête auprès des Ontariens par rapport à la vente d'Hydro One. Mais elle refuse d'avoir de l'ouverture, d'avoir de la transparence, d'avoir de la redevabilité. Elle a enlevé la surveillance. Elle refuse de fournir des preuves au public pour appuyer son plan. Mais elle continue avec cette vente à laquelle les Ontariens s'opposent. Pourquoi est-ce que la vice-première ministre croit que les Ontariens ne doivent pas être au courant par rapport à ce plan de privatisation? Quant à la transparence, je vais vous parler du bilan. Vous allez vous rappeler, comme je l'ai dit, cela faisait partie de notre budget de 2014 et faisait partie de notre plateforme électorale, mais aussi de la leur. Un conseil a donné un rapport intérimaire qui est disponible au public. Nous avons eu une séance technique. La députée de Kitchener-Waterloo y était. Et pour avoir davantage de transparence, nous avons Denis de Savanté, l'ancien vérificateur général. La députée sait bien que les sociétés cotées en bourse font l'objet d'autres mécanismes de surveillance. Mais le nouveau Hydro One sera assujetti à la loi sur les sécurités et à la CEO. Il y aura les salaires des hauts fonctionnaires seront publiés. Nouvelle question à la Première ministre. La Première ministre souhaite justifier la vente d'Hydro One. La Première ministre voit que nous pensons qu'elle n'avait aucun choix que de privatiser Hydro One, mais elle se trompe. Les libéraux avaient des meilleurs choix, des choix plus intelligents. Ils avaient beaucoup d'occasions pour faire ces choix intelligents, mais ils ne l'ont pas fait. Ce gouvernement libéral a peur de la critique du gouvernement. Est-ce que la vice-première ministre pourrait expliquer aux Ontariens pourquoi l'ouverture et la transparence sont des menaces au plan de privatisation de la première ministre? Nous investissons dans l'infrastructure parce que la province en a besoin. Nous nous engageons à faire l'investissement le plus important dans l'histoire de l'Ontario, 130 milliards de dollars. Ce n'est pas seulement une question de route ou de transport en commun, c'est des emplois, 110 000 emplois par an qui seront créés comme résultat de ces investissements. Le chef du troisième parti doit comprendre que de ne pas faire ces investissements aura des résultats négatifs. Donc nous vous posons la question, qu'est-ce que vous allez annuler? Les TRL, les navettes de GO hebdomadaires. Il y aurait une augmentation sur plusieurs lignes de GO, la ligne Kitchener, les trajets hebdomadaires. Peut-être c'est la ligne d'Hamilton dont elle souhaite annuler. Complémentaire, la première ministre n'a plus d'excuses et tous les membres du gouvernement sur les arrière-banques auront du mal en défendant cette vente parce que la première ministre aurait dû prendre une meilleure décision. La première ministre aurait dû prendre une meilleure décision pour construire l'infrastructure nécessaire. Et tous les députés d'arrière-banque le savent. La première ministre a choisi de vendre Hydro One. Elle a choisi de vendre un actif public contre la volonté de la majorité
des Ontariens. Et elle a choisi de protéger son groupe d'amis puissants. Est-ce que la vice-première ministre va avouer que l'ouverture, la transparence et la redevabilité sont des menaces au plan de la première ministre? La vice-première ministre, ce dont nous faisons, c'est de créer des nouveaux actifs. Nous créons ces actifs nécessaires pour aujourd'hui. Oui, il est vrai qu'il y a 140 ans, Sir Adam Back de London, Ontario, avait un rêve. Il savait ce qu'avait besoin l'Ontario à cette époque. Ils avaient besoin de l'électricité. Le gouvernement du jour a agi. Ils ont construit cette infrastructure d'électricité. Le gouvernement d'aujourd'hui sait que nous avons besoin de l'infrastructure. Si on parle des liens, député de Prince Edward Hastings. Monsieur le Président, que ce soit l'autoroute 7 entre Kitchener et Guelph, que ce soit la 401 et ses améliorations dans le coin de London, à Sudbury, l'autoroute 17 entre Thunder Bay et Nipigon. Monsieur le Président, tous ces investissements sont nécessaires. Nous en avons besoin maintenant. Nous sommes en train de les construire. Il faut les payer. Et c'est pourquoi nous avons mis en place ce processus. Complémentaire final. Cette première ministre avait de meilleurs choix, Monsieur le Président, mais elle a pris la mauvaise décision pour la population de l'Ontario. Sa privatisation protège ses petits amis puissants et qui obtiendront leur juste part de cette entente, mais ça fera mal aux Ontariens et ce pour les décennies à venir. Nous aurions pu nous organiser pour avoir plus de financement ailleurs, mais la première ministre va de l'avant avec sa privatisation. Elle suit dans les traces de Mike Harris. Est-ce que la vice-première ministre admettra enfin que l'ouverture et la transparence et la redevabilité est en fait la plus grande menace au plan de la première ministre en ce qui concerne la privatisation? Monsieur le Président, les néo-démocrates sont bien connus pour vouloir régler tous les problèmes par une augmentation des impôts aux sociétés. Monsieur le Président, nous prenons une approche plus sophistiquée. Nous voulons payer pour cette infrastructure, mais retournons et évaluons dans quoi nous investissons. La ligne de Milton, l'appui à SmartTrack, 1 milliard de dollars pour le train léger sur rail d'Hamilton, Monsieur le Président. Nous avons aussi un train rapide entre Toronto et London. Nous avons des investissements pour l'élargissement du réseau d'essence dans la province. Monsieur le Président, on demande de l'aide pour les liens de connexion entre les villes, Monsieur le Président, et c'est ce que nous faisons. Le Président, merci. Je présente mes excuses à la chef du troisième parti pour avoir perdu le fil. De député de NPC, nouvelle question. Merci, ma question s'adresse à la vice-première ministre encore une fois. Les soins de santé dans ma circonscription ont été mis en danger par une deuxième ronde de compression faite par ce gouvernement. 158 postes de personnel de première ligne ont été éliminés dans l'hôpital de North Bay. La moitié d'entre eux étaient des infirmières. Et ça s'ajoute aux positions qui ont été éliminées, aux postes qui ont déjà été éliminés dans cet hôpital. Monsieur le Président, c'est un effet dévastateur pour la collectivité, les travailleurs et leurs patients qui s'inquiètent présentement de l'accès à des soins de santé de qualité. Monsieur le Président, les libéraux n'ont aucun problème à dépenser 1 milliard de dollars pour des centrales, mais pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas dépenser pour conserver les services dans ma circonscription? Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de parler de l'hôpital régional de North Bay. Le nouvel hôpital qui a été construit il y a 4 ans, qui a été un investissement en immobilisation de ce gouvernement lorsqu'il a été construit et
fusionné avec celui de Sudbury. Ça a été financé par l'hôpital ainsi que par le Airlis. Nous avons vu certaines questions être soulevées pour la grandeur et la taille de cet hôpital. Les coûts ont été plus élevés que d'autres hôpitaux similaires dans le Nord et de par la province. Au cours des dernières années, ce que nous avons essayé de faire, c'est de tenir compte du fait que les dépenses et l'efficacité de l'hôpital doivent être considérées. Et j'irai plus en profondeur au cours de la complémentaire. Complémentaire. À la vice-première ministre, rien de ce qu'il dit ne réconforte la population de North Bay. Monsieur le Président, dans ce nouvel hôpital, ils ont fermé 60 lits. On ne fait pas des compressions seulement dans ma circonscription. Il y a des centaines d'infirmières et des services de première ligne ont vu des compressions partout, à travers la province, à Leamington, Sault Ste. Marie, Quinte, Scarborough. Et cette semaine, nous avons appris que des compressions à Ottawa ont amené un plus haut taux de réadmission. La vérificatrice générale a averti ce gouvernement que s'ils continuent avec leur déficit, nous verrons beaucoup trop de gens pour la capacité des services. Nous voyons ici la détérioration des services à North Bay. Je voudrais les commentaires du ministre à cet effet. Le ministre, c'est ironique, Monsieur le Président, venant d'un parti dont le programme électoral voulait éliminer 100 000 postes d'employés de première ligne. Monsieur le Président, intervention du Président. Arrêtez la pendule. Alors, non, redémarrez la pendule. Ça ne m'amuse pas du tout. Veuillez terminer. Monsieur le Président, le financement pour l'hôpital régional de North Bay a augmenté de 100 millions de dollars depuis 2003. Nous avons augmenté le financement de 128% et nous avons... Intervention du Président. Député de Nipissing, c'est la deuxième fois que je vous avertis. Nouvelle question. Député de Bramley-Gorman-Moulton. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Nous avons appris cet après-midi que la PPO a encore une fois essayé de continuer leur enquête qui dure depuis des mois en ce qui concerne l'élection partielle de Sudbury. Il semble que cette tentative de déposer des accusations a été retardée. Nous entendons parler de frustration et il a très confiance que son personnel fait un excellent travail. Il semble que des accusations seront déposées rapidement. Et je veux savoir pourquoi qu'est-ce que le gouvernement fait afin de s'assurer que les obstacles soient retirés afin que les accusations puissent être déposées, et ce, dans le meilleur intérêt des Ontariens. Au leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je dois dire que je suis étonnée d'entendre cette question posée par le député de l'autre côté, qui est un avocat lui-même. Il devrait savoir comment fonctionne le service et devrait savoir que le système est indépendant et hors du contrôle du gouvernement. Depuis le premier jour, Monsieur le Président, nous avons été clairs. Cette enquête est indépendante du gouvernement, est faite par les autorités et il y a des processus qui détermineront le processus d'enquête. Il n'y a aucune interférence du gouvernement. Et c'est très clair. Et donc, je ne sais pas, Monsieur le Président, ce que le député de l'autre côté me pose comme question. Est-ce qu'il essaie d'interférer ou demande au gouvernement d'interférer dans ce processus? Et c'est inacceptable de me poser une telle question. Complémentaire. Merci. Je sais que le gouvernement est d'accord sur le fait que la PPO fait un excellent travail pour la collectivité. Ils ont fait un excellent travail ici. Ils croient
qu'il y a assez de preuves pour aller de l'avant avec des accusations qui seront déposées contre des fonctionnaires élevés au sein du gouvernement. La première ministre dit que son gouvernement est ouvert et transparent. La population de l'Ontario veut un gouvernement ouvert et transparent. Elle le demande. Ces accusations à l'intérieur du bureau, ces questions de pot de vin à l'intérieur du bureau de la première ministre soulèvent plusieurs questions. Et maintenant, il y a un risque d'enquête judiciaire et nous voulons nous assurer que le gouvernement amène l'appui et les ressources nécessaires pour que l'accusation aille de l'avant. Est-ce que le gouvernement va s'engager à appuyer cette enquête? Leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, je n'ai jamais entendu une question avec autant de si, de peut-être, de vrai. Il est clair, Monsieur le Président, que c'est une enquête qui est en cours à l'extérieur du gouvernement. Aucune accusation n'a été portée jusqu'à présent et il est clair que lorsque l'on parle de poursuite, cette question demeure entre les mains du service de procédure judiciaire du Canada. Depuis le début de cette enquête, le gouvernement s'est tenu à l'extérieur du processus et nous avons laissé la responsabilité entre les mains du service de procédure judiciaire du Canada. Ça fait partie du système judiciaire canadien et c'est indépendant du gouvernement. Et je demande à tous les députés, en particulier un député tel que le député de l'autre côté, qui est un avocat, de respecter le processus et de ne pas pousser le gouvernement à agir. Nouvelle question, député de Halton. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la procureure générale. Mardi passé, j'ai vu des coupures de presse concernant la décision de la Cour suprême qui a été prise dans ma circonscription de Halton, ainsi que moi-même, voudrions des explications concernant ce cas. Je comprends que la Cour suprême a décidé que la Cour suprême forçait le gouvernement fédéral a forcé les gens qui veulent prendre le serment de citoyenneté à retirer leur niqab. Cependant, Monsieur le Président, nous devons respecter leur liberté de religion. Je me demandais si la procureure générale peut expliquer ce cas, ainsi que la position de l'Ontario à cet effet. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier la députée Dalton pour cette question très importante. En tant que procureur général de l'Ontario, je vais demander à la Cour suprême de retirer et de ne pas aller de l'avant avec l'appel de du gouvernement fédéral. Monsieur le Président, ça fait partie de nos valeurs de respecter les identités et les valeurs d'autres cultures. Il est impératif d'assurer que ce principe soit appliqué pour toutes les femmes dans notre province, peu importe leur croyance religieuse. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement, le gouvernement de l'Ontario, est intervenu auprès de la Cour fédérale et, dans ce cas-ci, appuie Mme Iskarash. Pour cette raison, s'il y a un appel dans cette question, l'Ontario interviendra afin de défendre les droits et libertés qui nous tiennent à cœur. Complémentaire. Monsieur le Président, je voudrais remercier la procureure générale pour son excellente réponse. L'une des inquiétudes que j'ai entendues dans ma circonscription, c'est que le gouvernement fédéral insiste que les femmes retirent leur voile qui leur couvre le visage lorsqu'ils prêtent serment de citoyenneté. Il y a aussi une question de genre ici. C'est une discrimination envers les femmes. Est-ce que la ministre peut informer la Chambre concernant la perspective du gouvernement concernant la position biaisée envers les femmes du gouvernement fédéral? À la ministre responsable de la condition féminine. Merci, Monsieur le Président, et encore une fois, merci à la députée Dalton. C'est une question très importante et sérieuse. Et cette politique fédérale qui a été rejetée par les cours est inappropriée sur plusieurs plans
et m'inquiète de l'impact que ça a sur les femmes. Nous savons que les choix des femmes dépendent de la réflexion de leur caractère et le niqab, ou une, que l'on parle de niqab ou de mini-jupe, il n'appartient pas aux gens de décider pour elles ce qu'elles veulent porter. Intervention du président. Est-ce qu'on peut relier cette réponse aux politiques du gouvernement? Réponse. Et donc, de la perspective des femmes ontariennes, c'est quelque chose qui nous inquiète. Nous appuyons la dame dans son cas. Nouvelle question. Député d'Elgin Middlesex London. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Services communautaires. Monsieur le Président, nous savons que les services sont essentiels pour les gens qui ont des déficiences mentales. Malheureusement, votre gouvernement a décidé d'envoyer la responsabilité des coûts aux municipalités. Le premier ministre Harris, Eves ont appuyé le financement à ces familles, mais pas le gouvernement Wynne. Nous voyons ici beaucoup de pression financière qui est mise sur les familles et une élimination des services et de l'appui dans nos collectivités. Comment est-ce que vous vous attendez à ce que les organismes communautaires dans ma circonscription puissent appuyer les gens qui sont les plus vulnérables au sein de notre société? La ministre des Services sociaux et communautaires. Merci, Monsieur le Président, et merci au député pour sa question. Cette situation est très spécifique. Je connais la situation au sein de cet organisme. Et dans cette situation, les individus continuent d'avoir un accès aux services et aux soutiens dont ils ont besoin, et la province les appuie évidemment dans ce travail. Certainement, cet organisme, qui est indépendant du gouvernement, a son propre conseil d'administration, est une agence de transfert de paiement, et nous nous attendons à ce qu'ils fournissent les services aux familles qui en ont besoin. Et nous surveillons la situation de près. Merci. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, je suis heureux que vous ayez mentionné ma circonscription. Intégration communautaire d'Elgin a éliminé 40 postes à temps plein et a dû faire des compressions de 64 postes. Ils ont dû aussi fermer une maison de groupe dans une de mes circonscriptions. Dans ma circonscription plutôt, c'est un plan qui a été approuvé par votre ministère, en partie en raison d'un déficit des coûts de 3 000 $. Monsieur le Président, d'autres organismes à travers la province font face à de telles circonstances. Allez-vous punir votre mauvaise gestion sur le dos des gens qui en ont le plus besoin? La ministre. Mon ministère surveille la situation d'intégration communautaire Elgin de très près. Ils ont mené une révision financière de cet organisme. Ça prendra quelques semaines pour que cet examen soit complété. Je veux rassurer tout le monde et leur dire qu'intégration communautaire Elgin a reçu une augmentation de fonds par notre gouvernement. Ils changent quelques dispositions de services pour inclure des programmes où les travailleurs assurent les services aux individus afin qu'ils soient plus inclus au sein de la collectivité. Comme je l'ai expliqué, c'est supervisé de près, entre autres pour certaines familles, afin que les services soient fournis. Nous continuerons à superviser la situation. Député de Windsor-West. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Les parents et les élèves méritent une stabilité dans leurs écoles, mais pendant plus d'un an, ce gouvernement libéral n'a pas obtenu d'accord collectif pour s'assurer de respecter nos enseignants et travailleurs de l'éducation. 332 jours après la fin des contrats, la première ministre n'a aucune excuse pour ne pas être à la table des négociations et d'essayer d'obtenir un accord tentatif avec les enseignants.
Est-ce que la première ministre va faire ce qu'elle a échoué de faire au cours de la semaine et envoyer la ministre de l'Éducation à la table des négociations? La vice-première ministre, Monsieur le Président, je croyais que enfin l'opposition se lèverait pour exprimer sa satisfaction sur le fait qu'un accord a été signé avec les enseignants du secondaire catholique et laïque, les anglophones et les francophones. Et c'est quelque chose qui représente une excellente nouvelle pour la population. Les Ontariens méritent la meilleure éducation possible et, en fait, nous sommes fiers d'avoir l'un des meilleurs systèmes d'éducation au monde et c'est un critère que nous voulons conserver. L'opposition sait qu'en est. Il y a eu une décision d'arrêter de négocier auprès de la Fédération des enseignants d'élémentaire de l'Ontario. Nous voulons avoir un accord avec eux et nous allons donc continuer à travailler sur ce dossier. Question complémentaire. Merci. Je serai prêt à voir le gouvernement de retour à la table avec tous les intervenants en éducation. À la vice-première ministre. La première ministre et la ministre de l'Éducation ont eu plus d'une année pour signer une entente avec tous les éducateurs et enseignants. Ils ont l'obligation d'avoir de la stabilité pour les enfants et les parents. Maintenant, le gouvernement essaie d'imposer une entente. C'est pas comment on fait les choses. Encore une fois, on voit que la première ministre est plus prête à aider la campagne de ses homologues fédéraux plutôt que de restaurer la stabilité dans les classes. Comment ça se fait qu'elle peut justifier le retour aux négociations et de ne pas avoir des accords avec tous les enseignants et les travailleurs en éducation? La vice-première ministre, j'assure la députée qu'on a travaillé pour arriver à un accord. On a déposé une approche complète. On est à ce qu'ils répondent à cette approche et quand ils seront prêts, on sera à la table dans un nanoseconde. On veut que les enfants soient dans un milieu d'apprentissage très positif. On ne veut pas avoir le stress quand il y a des problèmes laboraux et nous sommes très motivés. Ça n'a rien à voir avec notre gouvernement fédéral. Nous travaillons avec le CFO. Le CEPFO, plutôt, on travaille avec la Fédération OECTA et maintenant, il y a la RFO. Nouvelle question, la députée de Scarborough-Gincourt. Ma question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. J'étais très content pendant l'été qu'on a eu de la fièvre des Jeux panaméricains. C'était difficile à manquer, tout le monde était impliqué. Il y a eu des concurrences athlétiques, aussi bien que le festival culturel. Ça a touché 11 collectivités, mais partout en Ontario, les Ontariens et Ontariennes suivaient les Jeux et appuyaient les athlètes. Il y a eu des milliers de bénévoles comme Linda Lee et Cindy Lou à Scarborough-Gincourt qui ont rendu la réalité de ces Jeux. Est-ce que je peux demander au ministre combien de gens et comment les gens ont participé, les gens des pays à travers le monde ont participé aux Jeux panaméricains et parapanaméricains. Merci. Je veux remercier la députée de Scarborough-Gincourt de sa question et de son soutien. Elle a raison. Les Ontariens ont adoré les Jeux américains et panaméricains. Il y a eu beaucoup de travail. Ça a pris beaucoup de travail pour des gens de notre ministère et des partenaires et plusieurs députés. Le ministre Nakvi a été responsable de la coordination d'un plan de la sécurité. Le ministre Del Duc a appliqué son plan de déplacement et de transport. Et aussi le ministre Dugood a travaillé pour l'infrastructure et la première ministre qui a défendu les sports et l'athlétisme a travaillé aussi. Il y a eu aussi les députés d'en face qui ont appuyé les athlètes et je veux les remercier parce que c'était important de démontrer l'appui. Merci. Question complémentaire et merci au ministre.
Je sais que ce gouvernement était content du fait qu'il y avait un héritage qu'on va laisser. À Scarborough, on a un nouveau stade, un centre aquatique qui va donner beaucoup de place pour les étudiants universitaires à Scarborough, aussi bien que la collectivité. Ces installations sportives vont laisser tout un héritage, non seulement pour les athlètes, mais pour les groupes communautaires, les résidents, les étudiants universitaires aussi. Est-ce que le ministre peut nous dire quel est l'héritage laissé par les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015? Réponse du ministre, merci. On a construit beaucoup de nouvelles installations sportives et aussi des infrastructures existantes ont été rénovées. Et dans ces locaux, dans ces infrastructures, beaucoup de gens s'impliquent. Quand on va à Milton, par exemple, de voir le vélodrome, ça a transformé ce qui se passe dans cette collectivité. Aussi bien le centre de sport aquatique à Scarborough a changé. On l'a bâti dans les plans. 90 000 heures communautaires ont été allouées pour les communautaires. Mais pendant les Jeux panaméricains, on a eu une augmentation de transactions de débit de 60% et c'était vraiment les gens qui participaient à ce succès. Nouvelle question, le député de Prince Edward Hastings. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. La décision de vendre Hydro One qui a été prise derrière en coulisses et il y a le banquier qui a été apporté pour être en formation pour le ministère des Finances. Le gouvernement n'a pas de mandat de vendre et il n'y a pas eu de consultation sur une telle vente. De vendre le joyau de la couronne, c'était une erreur sérieuse. Ça a été dit en Assemblée législative, par moi ou l'opposition, mais par Sean Conway, ancien députés et ministres, des gens du côté du Parti libéral étaient contre cette vente par le passé. Maintenant, ils acceptent cette vente. Les libéraux dans le conseil du ministre s'opposaient à cette vente au rabais. Comment est-ce qu'ils pensent que Ed Clark a pu sa voix de chapitre dans la question que eux, la vice-première ministre, vu que le député d'en face est intéressé des citations du passé, j'ai des citations pour vous aussi. Du député de Simcoe Gray qui a dit, écoutons ce qu'il a dit. Le gouvernement a annoncé le 12 décembre 2001 qu'il a décidé d'annoncer de privatiser Hydro One. Nous pensons que cette décision sert bien l'intérêt des contribuables ontariens. Le député de Simcoe Gray va se souvenir de ça. Il a aussi dit, à long terme, nous pensons que la restructuration du réseau électrique en Ontario va imposer la discipline du marché. Mais ce n'est pas assez, il en a davantage. Le 24 janvier 2002, il a dit, nous croyons que cette décision sert l'intérêt des contribuables ontariens et les clients de l'électricité. Les gens disent que la déréglementation, c'est de la compétition. Elle, la déréglementation, ce n'est pas le cas. Question complémentaire. On va envoyer des citations. J'ai une citation de quelqu'un de l'Est de l'Ontario qui a dit « Les familles ontariennes veulent avoir de l'électricité abordable. Ils savent que la vente du réseau qui vend de l'électricité aux gens, c'est un désastre. » Il a dit que c'était vraiment pour essayer d'aider les amis et on voulait arrêter la vente. C'était l'ancien premier ministre Dalton McGuinty qui a fait cette citation. Même l'ancien premier ministre qui a donné des contrats à ses amis libéraux
Il savait qu'Hydro-Han serait vraiment une bonne chose pour ses amis et pas pour les Ontariens. Est-ce que la première ministre va arrêter la vente ou est-ce qu'elle veut faire exactement ce que Dr. McGuinness a prévenu et aider ses amis libéraux? Arrêtez la pendule. Je n'attends pas le chahutement de passage, là, s'il vous plaît. Sur une note sérieuse, je dis au député de faire attention au type de langage qu'il a utilisé dans son dernier, dans sa dernière phrase. La vice-première ministre, il faut que j'indique, quand les conservateurs étaient au pouvoir, ils essayaient de vendre l'autoroute 407, vous vous souvenez de ça? Le député de Pembroke ne veut pas qu'on lui rappelle de la vente de l'autoroute 407 à des prix de rabais, une vente de garage, une vente d'incendie. On a conçu des contrôles qui seront maintenus pour la population ontarienne dans le Hydro One. Votre plan, c'était de vendre 100% d'hydro. Vous voulez tout vendre, vous ne voulez pas de surveillance. Nous élargissons la propriété pour qu'on utilise mieux ces biens publics. C'est une bonne initiative et les gens de cette province, dans des grandes villes, des petites villes, dans des villes de taille moyenne, veulent avoir des investissements pour l'infrastructure et il faut utiliser des biens qu'on a pour pouvoir construire des nouveaux. Député de Témiscamingue-Cochrane, ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Les agriculteurs sont très frustrés avec la mauvaise volonté du gouvernement pour traiter des semences traitées. Ils ont eu des consultations pendant la saison de plantation et il n'y a pas mieux. Il y a un exemple, Monsieur le Président. On a besoin d'avoir un conseiller certifié pour prouver le besoin. Nous sommes d'accord avec ça, et les conseillers aussi, et les agriculteurs aussi. Mais il ne peut pas être lié à aucune compagnie qui vend des semences. La plupart des conseillers travaillent avec ces compagnies. Est-ce que le ministre pense que ces gens ne sont pas compétents ou ne sont pas indépendants? Merci, le ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales. Merci et à mon ami Thomas Cumming-Markham. Je veux le remercier de cette question. Comment c'est? Il y a un cas devant les tribunaux quant au règlement, mais je ne peux pas passer des commentaires. Mais à la base, on a identifié quatre facteurs pour les pollinisateurs. Numéro un, il y a eu deux hivers sévères qui ont touché les pollinisateurs. Troisièmement, il y a la question des questions entre les gestionnaires professionnels et les gens qui font de ça en hobby. Quatrièmement, c'est l'utilisation des semences traitées. Si on a besoin de l'utiliser, on peut le faire. Merci. Question complémentaire. Encore une fois, le ministre, on lui pose une question spécifique et on n'a pas une réponse claire. Je vais vous donner clairement. J'ai utilisé Terry Phillips, ce conseiller. J'étais un agriculteur. Il m'a dit, John, il ne faut pas pécer des insectes ici, c'est trop tard, ou faire une bonne rotation. Il me donne de bons conseils. Mais Terry Phillips, selon le gouvernement, n'est pas qualifié pour me donner des conseils sur les néonicotinoïdes. C'est ridicule et je suis content d'être un fermier, un conseiller sur les récoltes et quelqu'un qui est certifié. Ils n'ont pas besoin de certification, ils savent ce qu'ils font. Veuillez vous asseoir. Merci. La députée de Dufferin-Caldon. Alors, s'il vous plaît. Allez-y.
Pierre Messier, le député, de sa question complémentaire. J'ai trouvé quelque chose ce matin. Le député de Temiskaming. Le député de Temiskaming, Cochrane, a dit au Chatham Daily News, en tant que parti, nous croyons qu'on doit avoir plus de règlements. J'ai utilisé des néonicots dans ma ferme, sont efficaces, mais peut-être on les utilise trop. Est-ce qu'il faut avoir des règlements plus forts? Il a dit oui, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Nouvelle question. Le député de Newmarket Aurora. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. Votre ministère a été impliqué dans les efforts de notre gouvernement pour veiller à l'innovation et pour nous donner un avantage sur le marché mondial. On a créé un centre d'innovation à Mars pour aider les innovateurs et les organismes qui ont des aptitudes entrepreneuriales pour être en concurrence dans le 21e siècle. Interruption du président. Merci. Continuez. Comme je disais, Mars a été un élément important pour des nouvelles compagnies du secteur privé et des recherchistes en sciences de la santé. En dépit de cela, Mars a eu des problèmes par le passé quant à l'allocation de ces locaux. Est-ce qu'il y a encore des défis dans le projet? Merci. Le ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure, je suis très content de vous dire qu'on a tourné la page sur Mars. Ça a été une année difficile et c'est bien de voir de bons résultats. Quand le financement de la Tour Ouest a eu des difficultés associées à la récession mondiale, beaucoup de gens ont dit qu'on devrait abandonner le projet. On ne l'a pas fait. On a consulté des experts, Michael Nobrega et Carol Stevenson, et on a pris des conseils. C'était des conseils, de bons conseils. En décembre dernier, quand on a annoncé notre gouvernement répondait à l'appel pour donner une bonne base à Mars, on avait toute confiance que cette Tour Ouest serait un succès. Aujourd'hui, je peux confirmer que Mars a attiré un groupe intéressant et efficace de gens d'innovation. On a loué à 70% à des locataires et c'est vraiment tout un succès. Question complémentaire? Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le Ministre, pour cette mise à jour incroyable. Je sais que ce projet est quelque chose qui est très important, non seulement pour les résidents dans la circonscription du Newmarket Aurora, mais les résidents de toute la province. C'est bien et je suis très content de voir que le ministre a maintenu son approche. On a annoncé qu'un nouveau locataire allait rejoindre Mars et qu'il allait établir son quartier général à Mars. C'est vraiment tout un jalon pour ce projet. J-Lab, c'est un chercheur important, un engin de développement et de recherche que les compagnies en sciences de la vie utilisent pour avoir de nouveaux produits. Les députés d'en face ont critiqué le projet pendant toutes ces étapes, mais il semble qu'on loue à temps dans l'édifice de Mars et qu'on avance bien. Est-ce que le ministre peut nous dire davantage? Arrêtez la pendule. Avant de terminer, et un autre appel à tous les députés, ciblons sur comment présente la question à la troisième personne, à la présidente. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement est très compté que J-Labs va établir son incubateur le plus important des sciences de la vie, des biosciences ici en Ontario. Il n'y a pas de question que c'est une des bonnes nouvelles. Il y avait beaucoup de concurrence d'autres endroits et on a gagné cela parce qu'on a eu des investissements qui ont assuré que ces investissements arrivaient ici plutôt qu'ailleurs en Amérique du Nord. Et du fait qu'il y avait la tour ouest de Mars, J-Labs est
restés à Mars, mais on était prêt à les avoir n'importe où ils voulaient aller en Ontario. Mais l'endroit était incroyable. Les députés d'en face nous ont dit d'abandonner et laisser ce trou-là vide, mais on a quand même répondu à un appel et maintenant on s'assure qu'on a des endroits comme J-Labs qui vont mener notre secteur des biosciences. Merci, Monsieur le Président. Nouvelle question, le député d'Alderman Norfolk. Au ministre des Transports, ça fait presque une année depuis qu'on a arrêté la construction dans le pont au Cougar sur l'autoroute 3, vu qu'il y avait de l'intimidation. Le ministre a dit qu'on a fait on faisait une pause dans la construction vu qu'il y avait des différends. Et les gens de la Première Nation sont passés sur le pont et les travailleurs de construction ont abandonné. Mais les agriculteurs qui ont besoin du pont demandent des questions et en fait, c'est pas beau à voir. Et quand est-ce qu'on va avoir quand est-ce qu'on va compléter le travail? En août, on a eu une lettre, on disait qu'il n'y avait pas d'échéancier. Est-ce qu'on a une date pour relancer les travaux du pont? Réponse du ministre du Transport. Merci. Je sais qu'il a soulevé cette question par le passé. Certains de ses collègues ont pu répondre. Bien sûr, le ministère des Transports va voir du progrès dans cette question. Nous savons que c'est important pour la région. Nous sommes en conciliation sur une base régulière, non seulement nos partenaires intervenants communautaires, mais le ministère des Affaires autochtones, afin qu'on puisse remplir nos responsabilités quant à l'obligation de consulter. On va continuer pour essayer d'avoir une résolution. Je n'ai pas de préoccupation quant à ce que ce député, s'il a d'autres questions en dehors de la Chambre, je peux lui répondre pour qu'il soit informé de tout ce qui se passe dans cette partie de la province. Et aussitôt que le ministère pourra donner une réponse complète et une mise à jour, je serai prêt à le donner. Merci beaucoup. Il n'y a plus de temps. Il n'y a pas de vote déféré. La Chambre, excusez-moi, je vois un rappel au règlement. Un rappel au règlement, la députée de Burlington. Merci, Monsieur le Président. Je veux présenter les gens qui sont arrivés en retard. Au nom du ministère des Richesses naturelles et des forestiers, Cathy Preston, les parents de Corey Preston qui sont venus de Walson en Ontario. Pour nous rejoindre, nous sommes très contents que vous soyez là. Bienvenue à Queen's Park. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas présenté la famille de notre capitaine des pages, Benjali Lamar, et il y a ses parents, Marie Kamal et le frère Hassan qui sont ici dans la tribune. Vu qu'il n'y a pas d'autres rappels au règlement et qu'il n'y a pas de vote différé, la Chambre est en pause jusqu'à 13 heures.